Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a essa 11ª edição do Seminário do Museu Dom João VI, Grupo Entre Séculos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tema nosso desse ano é Professores, Alunos, Artistas na Academia e no Acervo do Museu Dom João VI. A gente começa hoje, então, já começamos hoje, dia 3, e vamos ficar aqui juntos até o dia 5 de novembro, até quinta-feira, sempre na plataforma do Zoom, com uma transmissão simultânea para o canal do Grupo Entre Séculos no YouTube. E eu tenho o prazer de introduzir hoje a conferência de abertura, que será feita pela professora Emilie Hofdahl, da Universidade de Toulouse, e que vai nos falar sobre a formação artística na França no século XVIII. Emilie, si tu veux faire un petit mot? Ah, le micro ne marche pas, il faut ouvrir le micro. Voilà, ça y est, oui. Un petit mot, simplement pour dire à quel point je suis heureuse de participer à ces échanges. Donc là, vous allez d'abord entendre un enregistrement, donc c'est peut-être un petit peu curieux, mais c'est bien ma voix que vous allez entendre en direct. Donc avec une communication qui va vous présenter la question de la formation artistique en France au XVIIIe siècle. Et voilà, j'espère que ça va entrer en interaction avec vos propres recherches. Donc, et un grand Merci. merci à Anna de m'avoir proposé de participer à ces échanges. Quando a gente estiver no momento do debate, a gente terá a ajuda de uma tradutora, mas no momento eu mesma posso explicar que ela agradeceu, está participando, e que a gente vai então em breve ver o vídeo, que já está pré-gravado, e que ela espera que depois tenhamos uma boa troca a partir do que vocês vão ver. No vídeo a gente tem as legendas. Eu gostaria também de avisar os ouvintes que tem um formulário que em breve vai estar disponível no chat para quem quiser depois o certificado, que é para preencher esse formulário. Então, vamos escutar agora, vamos ver e escutar o vídeo já gravado da Emily. Obrigada. Je remercie les organisateurs de m'avoir proposé de participer à ce colloque, et particulièrement Anna Cavalcanti, et je suis très honorée de m'associer à ces échanges, même à distance. Alors, ma communication du jour portera sur la question de la formation artistique en France dans le cadre académique, et je souhaite que cette communication puisse vous apporter des éléments, un point de vue un peu distant et distancié, à la fois par la chronologie et par l'espace concerné, et qu'elle fasse écho à vos propres recherches, vos propres réflexions, également à vos pratiques artistiques. Lorsque l'on parle des arts en France au XVIIIe siècle, et plus particulièrement de la formation artistique, tous les regards se tournent vers l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris, institution des plus prestigieuses, qui a pendant longtemps, et à juste titre, focalisé l'attention des historiens et des historiens de l'art. Alors, cette prédominance de l'Académie royale s'inscrit dans une attractivité, une centralité plus large, qui est celle de Paris, capitale, et qui est constitutive de l'histoire même de la France depuis le XVIIe siècle. De fait, à Paris sont réunies les différentes structures de l'État, et notamment pour ce qui nous intéresse, l'administration des arts, tout comme les chantiers les plus prestigieux, les commanditaires et les collectionneurs les plus fortunés. Et parmi ceux-ci, même ceux originaires de province résident une partie, souvent une grande partie, de l'année à Paris. Il faut également rappeler que pour les artistes, la formation parisienne est particulièrement réputée, non seulement à l'Académie royale, mais également au sein des ateliers des maîtres les plus renommés. À noter également qu'à partir des années 1760, la capitale accueille une autre institution appelée un grand succès. C'est l'école de dessin de Jean-Jacques Bachelier, rue de l'école de médecine. Actuellement, c'est un des sites de l'université Paris Descartes, et qui est à l'origine de l'actuelle École nationale supérieure des arts décoratifs. Alors, tous ces éléments donnent une vision centrée, centralisée des arts en France sous l'Ancien Régime. Cette vision centralisée, elle est bien réelle, hein,
mais elle doit cependant être mise au regard d'une autre réalité qui, elle, se passe en province. Et là, c'est la création d'une myriade d'institutions artistiques sur l'ensemble du territoire qui apparaissent à partir des années 1740, hein, après des décennies de tentatives avortées ou de fondations beaucoup trop éphémères pour être retenues comme telles. Et donc, on voit apparaître toutes ces institutions en grand nombre tout au long de la seconde partie du XVIIIe siècle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc non pas de mettre la focale sur Paris, mais bien au contraire d'envisager l'espace français dans son entier pour comprendre l'articulation entre beaux-arts et arts décoratifs, même si les catégories sont beaucoup plus fluctuantes que ce que nous l'entendons nous sous l'Ancien Régime. Et donc comprendre cette articulation d'un point de vue formatif, sur fond d'un jeu de tension entre un exercice de l'art considéré comme libéral et un art plus appliqué. Et ce sont donc les dynamiques de cette histoire, hein, qui s'écrit de façon institutionnelle, que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Pour cela, je commencerai par un état des lieux entre typologie des institutions, objectifs et implantation territoriale, hein, et cela permettra également de vous familiariser avec la géographie française et la répartition des villes sur le territoire, hein, pour vous donner des clés de lecture. Pour ensuite envisager la question de la formation proprement artistique sous l'angle à la fois des objectifs et des dynamiques de circulation. Puis nous aborderons la question de la formation des arts appliqués aux manufactures en détaillant les intentions et les applications pour enfin aborder la question en propre de la pédagogie et de l'enseignement. Puisque l'intention, c'est bien d'analyser l'articulation entre deux objectifs qui peuvent paraître opposés, la formation pour les beaux-arts et celle pour les arts décoratifs, et d'en montrer à la fois les spécificités et les richesses. Ces réflexions prennent appui sur une recherche collective menée dans le cadre du programme de recherche ACARES, qui est consacré aux académies d'art et à leur réseau dans la France pré-industrielle, que je co-dirige avec ma collègue Anne Perrin-Kélissa, maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et je renvoie d'ailleurs à la page internet de ce programme que vous voyez ici en ligne, qui pourra vous apporter toutes les précisions historiographiques ainsi qu'un grand nombre de ressources, des publications, des documents d'archives, une exposition virtuelle, le tout bien évidemment en ligne. Je me dois cependant de mentionner les travaux d'Agnès Lahl et de Renaud Denfer sur les écoles et l'enseignement du dessin en France, ainsi que les travaux plus généraux de Daniel Roche du Collège de France sur les académies, mais là dans le sens des sciences et belles-lettres. Pour cet état des lieux, je vous présente une carte où vous pouvez dès à présent visualiser ces fondations sur l'ensemble du territoire. Donc tous les points rouges correspondent à des institutions artistiques, hein, avec, vous le voyez, une répartition assez complexe, plutôt dense et condensée aux frontières, et en creux, certaines zones blanches. Alors ces fondations se mettent en place dans les années 1740, avec un pic de création autour des années 1770 et un arrêt brutal en 1791 avec la suppression des académies lors de la Révolution française en vertu de la loi d'Allard. Par ailleurs, ces institutions s'inscrivent bien sûr dans une histoire beaucoup plus longue qui renvoie aux académies italiennes, notamment celle de Florence ou de Rome, puis à celle de l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris. Elles sont cependant totalement novatrices, parce que, à la différence de l'Accademia de San Luca, par exemple, ou de l'Académie royale, hein, qui n'était que en direction de ce que nous appelons les beaux-arts, leurs objectifs étaient beaucoup plus divers, beaucoup plus larges, en direction non seulement des artistes, mais également des artisans, des manufactures, de luxe ou de semi-luxe. Des objectifs divers, donc, mais également des institutions diverses. La grande majorité d'entre elles sont des écoles de dessin. Elles sont généralement implantées dans des villes de taille modeste et concentrent une activité unique d'enseignement. Donc c'est le cas par exemple de Pau, de Poitiers, de Mâcon ou encore de Nantes. D'autres écoles de dessin sont associées, elles, à des académies, souvent des académies des arts, sciences et belles-lettres. Et donc les fonctions d'enseignement, mais aussi de sociabilité, y sont présentes.
ainsi qu'une forme d'interdisciplinarité. Donc ça, c'est le cas à Rouen, à Lyon ou à Dijon. Enfin, pour le reste, il s'agit d'institutions où les arts sont envisagés de façon autonome. Alors, les titulatures peuvent varier, elles s'appellent Académie de peinture, sculpture et architecture, ou alors Académie des arts ou encore Société des beaux-arts. Enfin, quel que soit leur vocable, ce sont des institutions autonomes qui possèdent un corps enseignant, supervisé par un directeur, des élèves nombreux, ainsi qu'un corps d'amateurs qui travaillent à son développement. Et là, on peut citer les villes de Reims, de Toulouse, de Marseille, de Montpellier ou encore de Bordeaux. J'en viens maintenant à la question à proprement parler des arts libéraux. Alors, à l'origine de la formation des institutions artistiques en province, il y a souvent la volonté de se détacher des corporations, de se rapprocher de l'exercice libre de la peinture et de la sculpture. De ce point de vue, cette appétence est fortement marquée par Paris et son Académie royale de peinture et de sculpture, qui, je le rappelle, avait été fondée en 1648 sous l'impulsion de peintres et de sculpteurs, parmi lesquels le peintre Charles Lebrun. Et cette volonté de se détacher des corporations est particulièrement vraie pour les tentatives de fondation en province, qui sont nombreuses à partir des années 1670 et qui cherchent à répondre uniquement à ce besoin de beaux-arts. Alors, ces tentatives restent des tentatives, et le modèle tourné uniquement vers les beaux-arts ne se met pas vraiment en place à cette époque. Finalement, il faut attendre les années 1740 et des projets qui mixent à la fois les beaux-arts et les arts décoratifs pour que ces tentatives se concrétisent. Parmi les artistes initiateurs de ces institutions, on trouve des artistes locaux, mais également des artistes qui sont passés par l'Académie royale. C'est le cas par exemple à Marseille de Michel-François d'André Bardon, dont vous voyez ici le portrait. Alors en quelques mots, d'André Bardon est originaire d'Aix, une ville de province du sud-est de la France, non loin de Marseille. Il est issu de la noblesse parlementaire, ce que l'on appelle la noblesse de robe, mais il mène une véritable carrière artistique. Il est d'ailleurs nommé adjoint à professeur à l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris, avant de s'associer à des artistes marseillais, qui eux sont pour l'essentiel issus de la corporation des peintres et sculpteurs de la ville, pour fonder une académie. Et il en devient un des directeurs perpétuels. De façon générale, l'objectif pour les artistes initiateurs de ces projets, qui ne se reconnaissent pas dans une pratique qualifiée de mécanique, c'est vraiment de valoriser leur parcours et leurs trajectoires artistiques, tout comme de se faciliter la rencontre avec des amateurs issus de milieux aisés et qui peuvent les ouvrir vers des réseaux beaucoup plus vastes. Si l'on prend un point de vue plus collectif, l'objectif de ces fondations, c'est de renouveler les arts en province, d'y former les artistes qui pourront devenir les peintres, les sculpteurs et les architectes de ces villes et qui donc devraient permettre à ces villes des retombées importantes en termes de réputation. Il s'agit finalement de fournir aux talents locaux la possibilité de se former et d'avoir accès à des modèles plus larges. La question qui se pose également dans ces nouvelles organisations, c'est celle de la concurrence entre les arts. La sculpture n'est pas à part égale avec la peinture et par ailleurs, il existe un sentiment de suprématie des beaux-arts sur les arts décoratifs dans la mesure où les élèves les plus doués sont destinés à la peinture en tant que telle, peinture de chevalet notamment, voire à la sculpture, alors que les autres sont orientés vers les arts appliqués aux manufactures. Ce que l'on constate également, c'est que les meilleurs artistes formés dans ces académies, ces écoles de dessin de province, tentent leur chance à Paris et entrent parfois avec succès à l'Académie royale de peinture et de sculpture. De fait, l'attraction parisienne est réelle, même si elle est limitée parce que tous les artistes n'ont pas le niveau ou un réseau suffisant pour les introduire. Mais le passage par Paris apparaît bien comme une étape importante dans le cas de parcours exemplaires. C'est le cas par exemple de Guillaume Lethière, qui est originaire de Guadeloupe. C'est un fils d'un fonctionnaire royal et d'une esclave affranchie qui arrive à Rouen via Bordeaux en 1774.
et qui passe d'abord 3 années dans l'école de Descamps à Rouen, puis il intègre l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris. Il effectue ensuite le voyage à Rome et vous avez à gauche de l'écran un tableau néoclassique de cette époque, de cette période fortement marquée par l'histoire et l'architecture romaine. Et dans son parcours, il devient par la suite directeur de l'Académie de France de 1807 à 1816, puis professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris en 1819. Donc on est donc là face à un parcours tout à fait exemplaire. C'est également le cas de Jean-Auguste Dominique Ingres, originaire de Montauban. Ingres va intégrer l'Académie royale de peinture, sculpture et architecture de Toulouse en 1791, il a alors 11 ans, et il obtient dès 1792 un prix de figure d'après l'estampe et un prix de ronde-bosse l'année suivante. Fort de ce succès, il rejoint Paris, où il obtient le prix de Rome en 1801, et il restera à Rome jusqu'en 1824. De cette époque date son autoportrait, hein, il a alors 24 ans, puis 10 ans plus tard, cette fameuse grande odalisque du musée du Louvre que vous avez à gauche de l'écran. Par la suite, il devient directeur de l'Académie de France à Rome de 1835 à 1840. Donc vous voyez que ces deux exemples illustrent parfaitement l'importance du séjour parisien, mais également et peut-être surtout d'ailleurs l'importance du séjour romain. La formation romaine constitue un Graal, un sésame pour la constitution d'une carrière où l'estampillage romain est essentiel, vraiment essentiel, pour être reconnu comme un artiste de valeur. Cette étiquette est donc importante pour les artistes, mais également pour les institutions dont ils sont originaires en termes de réputation. Le cas de Dijon est très révélateur. À Dijon est fondée une école de dessin en 1766 grâce au soutien des érudits locaux et grâce à la protection du gouverneur de Bourgogne, Louis-Joseph de Condé, prince de sang, que vous voyez ici en portrait. Et en 1770, donc 4 ans après la fondation, l'école bénéficie d'un logement central au Palais des États et, fait unique en France, fonde en 1776 un prix de Rome, grâce à l'implication financière justement des États de Bourgogne. Alors ce séjour romain représente une plus-value incomparable dans la formation et la carrière des élèves de l'école. Entre 1776 et 1789, 7 élèves dijonnais sont envoyés outre-Mont, parmi lesquels Bénigne Gagnereau et Pierre-Paul Prudhon, dont vous voyez ici deux dessins. Et vous voyez là aussi des dessins qui sont fortement marqués par l'histoire et les modèles romains. Alors, ce concours prestigieux place Dijon dans le circuit des mobilités vers Rome, et ce, dans une forme institutionnelle qui lui apporte un très grand renom. Au-delà du cas exemplaire de Dijon, les autres institutions, même si elles n'organisent pas de concours pour financer le voyage en Italie, elles le facilitent par le biais de leurs amateurs, comme c'est le cas notamment à Marseille et à Toulouse. Alors, par exemple, Louis Schex, donc qui est élève de l'Académie de Marseille, où il remporte un premier prix de dessin en 1760, se rend dans un premier temps à Paris grâce aux recommandations de l'Académie, puis grâce à l'aide d'un amateur d'art, Louis-Joseph Borelli, qui est membre de l'Académie de Marseille, mais aussi de l'Académie des Arcades à Rome. Il peut donc se rendre à Rome pour un séjour assez long entre 1771 et 1777. Pendant ce séjour, Schex réalise de très nombreuses copies d'après les maîtres romains et également des centaines de feuilles de dessin qui témoignent de ses pérégrinations, que ce soit au Colisée ou à Tivoli. Comme vous le voyez d'ailleurs avec ce dessin à l'écran du musée des Beaux-Arts de Rouen. De retour à Marseille, Schex va mettre à profit toute cette formation, cette imprégnation romaine. Il va la mettre au service des Borelli en réalisant notamment cette aurore précédant Apollon que vous voyez à l'écran pour le château Borelli.
Donc c'est une œuvre qui est directement inspirée de Guido Reni et de sa fresque L'Aurore pour le palais Pallavicini. Autre exemple, cette fois-ci toulousain, Jacques Gamelin. Alors Jacques Gamelin, il est d'abord élève de l'Académie royale de peinture, sculpture et architecture de Toulouse. Et il effectue le voyage en Italie grâce à l'appui là aussi d'un amateur, le baron de Puymaurin, de 1765 à 1774. Et pendant ce séjour romain, il obtient le premier prix du modèle vivant de l'Académie de Saint-Luc. En Italie également, il réalise de très nombreuses copies, comme ces dessins d'après Michel-Ange que vous voyez ici à l'écran. De retour en France et grâce à son aura romaine, il est nommé professeur de dessin à la Société des Beaux-Arts de Montpellier, puis à la direction de la classe de dessin de l'École centrale de Carcassonne. Alors on voit bien avec ces exemples l'importance du voyage romain, bien plus que le séjour parisien, pour être identifié comme artiste en tant que tel et intégrer les circuits officiels de reconnaissance. Autre circuit, autre réseau, mais qui cependant s'entremêlent, ceux qui permettent de développer les arts décoratifs. Là aussi, la référence qui est souvent mentionnée dans la littérature est une référence parisienne. C'est l'école de dessin de Jean-Jacques Bachelier, qui n'intervient cependant qu'à partir de 1766, alors que des écoles de dessin ont été créées sur l'ensemble du territoire depuis les années 1740. Ce n'est pas inutile cependant de rappeler ici que cet artiste est lui-même membre de l'Académie royale de peinture de Paris, où il est reçu comme peintre de fleurs en 1752, puis comme peintre d'histoire 12 ans plus tard, avec ce tableau La Charité romaine qui est ici au centre de l'écran. Ce tableau est intéressant parce qu'il signe son aspiration à être reconnu comme peintre de grand genre, puisque la peinture d'histoire est placée au sommet de la hiérarchie des genres. Toujours est-il que, fort de ces deux accréditations, si je puis dire, Bachelier mène de front des carrières tant au sein de l'Académie royale qu'au sein de la manufacture de Vincennes-Sèvres, où il est nommé directeur artistique en 1751. Ce qui le conduira d'ailleurs à partir de 1766 à se consacrer à cette fameuse école de dessin qui deviendra donc l'école des arts décoratifs. Cette école gratuite de dessin, contrairement à l'Académie royale, accepte des débutants, ce que l'on appelle alors des commençants, qui sont formés pour devenir des dessinateurs qualifiés pour les manufactures. Et donc là, vous avez à l'écran un dessin qui représente la salle principale de cette école, où l'on voit les élèves occupés à copier des modèles avec un éclairage circulaire tout autour de la salle pour donc faciliter le travail. Il en découle donc qu'à Paris, la formation est séparée entre ces deux institutions, Académie royale et École royale de dessin, même si des passerelles peuvent être faites, hein, principalement par le biais de bacheliers. En province, pour le coup, la situation est sensiblement différente. Les deux pôles, beaux-arts et arts décoratifs, qui sont différenciés, sont enseignés dans les mêmes structures et le pôle arts décoratifs est particulièrement valorisé, mis en avant, lorsque l'on regarde les textes programmatifs de ces écoles. Cette idée de la mise en place de formations appliquées et même théorisées, valorisées et diffusées par des imprimés qui auront une certaine presse tout au long du XVIIIe siècle et particulièrement la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dès 1746, Antoine Ferrand de Montelon, qui est membre de l'Académie royale, écrit un article dans ce sens intitulé « Projet pour l'établissement d'écoles gratuites de dessin » qui est publié dans le Mercure de France. Et 2 ans plus tard, c'est ce même Antoine Ferrand de Montelon qui est sollicité par la municipalité de Reims pour fonder une école de dessin, ce qu'il accepte d'ailleurs, et à laquelle il lègue l'essentiel de ses collections qui seront à l'origine de la création du musée des Beaux-Arts de la ville. Autre artiste qui diffuse l'intérêt des écoles de dessin pour les arts décoratifs, c'est Jean-Baptiste Descamps, et d'ailleurs c'est surtout Jean-Baptiste Descamps, alors qu'il lui est formé à Anvers, puis à Dunkerque.
membres de l'Académie royale de peinture de Paris, il fonde dès 1741 une école de dessin à Rouen. Et d'ailleurs, c'est la première école de dessin en tant que telle. De son expérience, il tire une réflexion sur l'utilité des établissements, des écoles gratuites de dessin en faveur des métiers, qui est publiée en 1767. Cette publication de 30 pages détaille le projet de ces établissements, souvent en militant en faveur d'un retour à l'antique et en se conformant d'ailleurs au goût et à la volonté du marquis de Marigny, hein, le frère de Madame de Pompadour, qui est alors le directeur des bâtiments du roi. Alors cette idée d'une connexion étroite entre formation et production, entre école de dessin, académie et manufacture, est affirmée tout au long de cette seconde moitié du XVIIIe siècle, avec en province un grand principe de réalité et des intérêts pragmatiques qui sont mis en avant. L'art doit être absolument utile au commerce. Voilà, c'est vraiment l'idée principale. L'art doit être absolument utile au commerce. À Marseille, par exemple, est fondée en 1755 une école académique. Et dans un mémoire donc daté de cette année-là, les peintres et sculpteurs à l'initiative de la fondation mettent en avant l'utilité de cette institution pour obtenir des financements à des hommes politiques locaux en déclarant qu'ils doivent avoir à cœur de développer les arts et le commerce. Le mémoire souligne par ailleurs, et particulièrement dans ses articles 3 et 4, que grâce à l'Académie, Marseille aura à sa disposition, et je cite, un grand nombre d'artistes et d'ouvriers en état de fournir une grande partie des marchandises propres pour les expéditions des îles d'Amérique et pour les échelles du Levant, et que ces manufactures et ces fabriques, essentielles pour le développement de son commerce, exigent, et c'est vraiment le terme, exigent que ces ouvriers soient des dessinateurs. Vous voyez donc bien là qu'on est loin des visées académiques parisiennes, où la célébration de la peinture d'histoire, la mise en avant du génie français et la théorisation artistique priment incontestablement sur le développement économique en tant que tel. Alors les objectifs hein, sont similaires dans les autres villes du royaume, que ce soit à Cambrai et Angers, hein, où les documents d'archives témoignent de cette volonté d'adéquation étroite des écoles aux besoins de l'industrie. On peut également citer Lille ou Lyon, qui sont au cœur de pôles de production textile très, très actifs. Alors pour revenir sur l'exemple marseillais, je détaillerai un cas, celui d'Honoré Savy, faïencier, qui dès 1756 est reçu membre de l'Académie de peinture et de sculpture de Marseille. C'est le premier manufacturier à intégrer la structure. C'est d'ailleurs un entrepreneur dynamique, très dynamique. Il arme des bateaux pour vendre ses productions sur des territoires élargis, que ce soit en Méditerranée ou dans les échelles du Levant, hein, donc Alexandrie, Smyrne ou Constantinople, ou encore outre-Atlantique aux Antilles. Son appartenance à l'Académie lui permet de perfectionner la formation de certains de ses apprentis, les plus doués, et d'être toujours au fait des dernières évolutions artistiques et décoratives. Elle lui apporte également une réputation, une forme de certification, tout comme elle lui donne accès à des réseaux plus larges que celui des artisans et des entrepreneurs locaux. Alors à l'écran, vous pouvez voir deux œuvres hein, produites dans l'atelier de Savy qui montrent la parfaite connaissance de cet atelier, des canons inspirés des statues antiques et des grands sculpteurs romains comme Le Bernin. Et également la capacité finalement de cet atelier à réaliser des œuvres en ronde bosse relativement complexes. Ici, un autre aspect de sa production est certainement la part la plus importante de sa production, hein, la vaisselle, qui emprunte les décors aux poissons et coquillages de Méditerranée, hein, et ces décors de poissons et coquillages qui signent vraiment une production marseillaise de très grande qualité, que l'on retrouve également chez Honoré Bonnefoy ou encore La Veuve Perrin. Très rapidement, un dernier exemple de cette production marseillaise, avec cette toile peinte de la manufacture de l'Arsenal, et ce n'est pas inintéressant de savoir
que l'arsenal est justement le lieu qui a pendant très longtemps abrité l'Académie de peinture et de sculpture de Marseille. On voit bien cette connexion étroite entre les lieux de formation, de sociabilité et les lieux de production. Alors face à cet objectif double, beaux-arts et arts décoratifs, quelles organisations sont mises en place d'un point de vue formatif et comment fonctionnent les enseignements? Je ne détaillerai pas ici l'intégralité des formations, j'en soulèverai seulement quelques points pour justement illustrer cette articulation. Alors cette articulation, elle se retrouve tout d'abord dans l'organisation même des lieux qui doivent réunir des fonctions d'enseignement, et nous allons voir d'ailleurs que ces enseignements sont divers, mais également de conservation pour les peintures, sculptures, dessins, gravures qui servent de modèles, avec parfois aussi un espace dédié à la bibliothèque et puis des salles plus administratives pour le directeur et les professeurs. Donc je vous présente ici le plan de l'école de dessin de la ville de Rouen, qui est structuré, comme vous le voyez, par différents espaces, avec notamment la salle G, indiquée à la lettre G, qui indique le bureau du professeur, placé à côté des classes des élèves qui travaillent la copie d'après les maîtres et d'après la bosse. Autre plan, celui d'un projet pour Marseille, avec un lieu organisé autour d'une cour et avec là aussi, vous le voyez, différentes salles dédiées à l'étude. Alors ce qui est intéressant dans ces plans, c'est la répartition des salles en fonction des enseignements, avec des espaces différenciés et également ce qui est indiqué dans le texte qui accompagne le plan pour Marseille, la défense de la stabilité du lieu, donc un lieu fixe et unique qui ne varie pas en fonction des années, et l'inaliénabilité des collections. L'organisation pratique de l'enseignement est également intéressante car elle précise le public qui est visé. Alors les cours ont lieu généralement en semaine, plutôt en fin d'après-midi, alors avec des horaires qui peuvent varier en fonction de l'hiver et de l'été, mais en tout cas, cet horaire de fin de journée est important pour les apprentis qui travaillent l'essentiel de la journée dans les manufactures, mais aussi pour les professeurs qui sont généralement bénévoles et qui exercent donc d'autres activités rémunératrices le reste du temps. L'enseignement est en direction des garçons uniquement et permet aux commençants d'être formés, tout comme les élèves les plus avancés. Ce sont donc des institutions qui peuvent prendre l'élève depuis le début de sa formation jusqu'au point le plus avancé qu'il peut atteindre. Pour l'enseignement du dessin en tant que tel, les élèves suivent une progression, que rappelle d'ailleurs cette gravure dans l'encyclopédie, avec tout d'abord ce que l'on appellerait un tronc commun, le cours de dessin d'après l'estampe. Cette première formation est elle-même progressive. L'élève apprend tout d'abord à dessiner chaque partie de la tête, donc nez, œil, bouche. Et à l'écran, vous voyez des études sous différents points de vue et avec des expressions variées. Puis, une fois que l'élève a appris à dessiner ces différents morceaux, il apprend à les assembler pour constituer une tête. Et là aussi, en apprenant à la dessiner de face, de trois quarts, de profil, par en haut ou par en dessous, donc sous ces différents points de vue. Et il fait ainsi de suite avec tous les autres membres du corps humain. Vous voyez ici deux dessins, donc là pour le coup de pied ou de main, qui sont des dessins d'élèves de l'Académie de peinture de Toulouse, qui donc illustrent cette formation sur les différentes parties du corps. L'étape suivante était donc de parvenir à dessiner le corps humain dans son ensemble, c'est ce qu'illustre cette Académie d'hommes de Jean-Baptiste Oudry. Alors c'est un dessin qui appartenait à un lot de figures académiques envoyées de Paris à Marseille pour servir de bon modèle, et c'est le terme, hein, bon modèle aux élèves. Donc vous voyez que l'enseignement est fondé sur la copie et c'est par l'imitation que l'individu se perfectionne, tant dans la dimension beaux-arts que dans la dimension art décoratif.
Après la classe du dessin d'après l'estampe, c'est la classe du dessin d'après la bosse qui est accessible aux élèves plus avancés. Donc la bosse sont des modèles en marbre ou en plâtre. Et cette pratique est nécessaire pour apprendre à connaître l'effet des ombres et des jours et donner du relief aux parties. Et c'est ce que montre ce dessin de Trinquesse, où donc on voit les élèves en train d'observer ce buste de femme. Sous le regard d'un professeur et certainement d'un surveillant. Ou encore ce tableau de d'André Bardon, où l'on voit l'artiste le plus avancé, hein, et on le sait parce qu'il tient une palette de couleurs. Donc ce professeur certainement aide avec une mine de plomb à des élèves installés devant une statue de Minerve qu'il est en train de copier, ainsi que d'autres élèves, et on voit également sur la partie gauche du tableau un élève qui est muni d'un maillet et qui donc illustre cet apprentissage du dessin pour parvenir à sculpter des œuvres plus avancées. Enfin, intervient le cours de dessin d'après nature, d'après le modèle vivant, et seuls les meilleurs élèves y ont accès et uniquement dans certaines institutions les plus importantes comme Rouen, Dijon, Marseille, Toulouse ou encore Bordeaux. Et là, les séances de travail sont organisées autour d'un modèle qui prend la pose selon des postures académiques et convenues, puisqu'on retrouve le même type de pose sur les dessins des différentes écoles. Et là, l'élève est confronté à la transposition directe du vivant sur le papier. Alors pour cet exercice, outre la pose, le choix de la pose, le choix du modèle est essentiel et dans certains documents d'archives, on trouve des commentaires sur la fermeté ou non de la chair du modèle et parfois la nécessité d'en changer. Rapidement, pour illustrer cela, cet enseignement, une série de dessins produits par des élèves de l'école de dessin de Dijon. Donc vous voyez avec différentes poses permettant de mettre en valeur la musculature et la structure du corps humain. La pose du modèle vivant est complétée par un cours plus théorique, le cours d'anatomie, qui est quant à lui dispensé par des chirurgiens. Alors c'est un cours qui permet aux artistes de mieux comprendre les gestes et les mouvements du corps humain. Et pour cela, l'enseignant peut s'appuyer sur un matériel pédagogique spécifique. Donc à la fois des gravures et des imprimés, hein, et c'est le cas par exemple de ce nouveau recueil d'ostéologie et de myologie dessiné d'après nature qui est publié par Jacques Gamelin en 1779, et c'est un ouvrage qui se consacre aux os et aux muscles du corps humain. L'enseignant peut également s'appuyer sur des modèles en 3D, les fameux écorchés. Et l'on sait à quel point l'acquisition de ces sculptures est importante pour les académies et les écoles de dessin de province. Alors, il s'agit à droite d'une copie en plâtre de l'écorché que Jean-Antoine Houdon avait réalisé à Rome dans les années 1760, alors qu'il était pensionnaire du roi, et qu'il avait envoyé au titre de modèle à la Société des Beaux-Arts de Montpellier. Autre écorché, donc à gauche, celui de Jean Pancrace Chastel, réalisé pour l'école de dessin et l'école de sculpture d'Aix-en-Provence. Alors, tous ces écorchés, on pourrait également citer celui de Bouchardon, proposent une sorte de dissection dynamique qui permet de visualiser, bien mieux que sur un cadavre d'ailleurs, la logique de la pose et du mouvement et la compréhension du fonctionnement interne à la fois des muscles, des ligaments et des vaisseaux sanguins. Alors, ces cours de dessin sont les étapes indispensables pour préparer les élèves à aborder ensuite, là aussi pour les plus doués d'entre eux, les cours de peinture et de sculpture en tant que tels. D'autres cours sont également dispensés, des cours de géométrie et de mathématiques, également des cours d'architecture, avec dans certaines villes des spécificités, hein, c'est le cas à Bordeaux et à Marseille, donc qui sont des villes portuaires, où sont enseignés des cours d'architecture civile, mais également des cours d'architecture navale. Et donc, ces cours sont tenus par des architectes ou des ingénieurs. Donc, vous voyez finalement un corps professoral assez divers. Par ailleurs, il y a également des cours de dessin de fleurs qui sont régulièrement réclamés, particulièrement dans les villes
qui ont des fabriques d'étoffes de laine et de soie, comme Lyon. Donc des cours pour les artisans, mais également pour les artistes qui font face à un marché de tableaux de fleurs très prisé. En guise de conclusion, je terminerai avec ce tableau de Nicolas Truitt, qui représente la remise des prix de l'Académie de dessin et de peinture de la ville de Dunkerque en 1775. Tout simplement pour illustrer l'importance de l'émulation, mais aussi de la mise en relation, de la mise en réseau pour les artistes et les artisans formés dans ces institutions en France au XVIIIe siècle. Plus que tout autre lieu, les académies et les écoles de dessin proposent des espaces qui facilitent la rencontre d'artistes, d'artisans avec l'élite politique, économique et religieuse, non seulement d'une ville, mais également au-delà, en France et à l'étranger, par le jeu des associations d'amateurs et d'artistes réputés. Les artistes locaux sont ainsi placés, au moment de leur formation, mais aussi tout au long de leur carrière, au cœur d'un système qui mutualise à la fois les supports pédagogiques, les modèles, les lieux d'exposition et la diffusion de leurs travaux. Alors, avec la Révolution, ces institutions connaissent un arrêt brutal. Cependant, l'enseignement du dessin ne disparaît pas, hein, puisqu'il est partie intégrante des formations dispensées dans les écoles centrales à partir de 1795. Alors, aux côtés d'autres disciplines, hein, comme les langues anciennes et vivantes, l'histoire naturelle ou encore les mathématiques. Cet enseignement du dessin est repris avec l'ouverture progressive d'écoles et d'académies des beaux-arts sur l'ensemble du territoire, d'autant plus facilement, et c'est important de le souligner, que l'on retrouve souvent les artistes d'ancien régime dans ces structures, structures qui connaîtront un succès tout à fait retentissant tout au long du XIXe siècle. Voilà, et donc je vous remercie, j'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour échanger, avoir le plaisir d'échanger avec vous. Bom, então agradeço muito a Emily ter aceito o nosso convite, né? E nós vimos agora o vídeo da conferência dela e a gente vai abrir então para a sessão do debate, que pode ser, as pessoas podem enviar as perguntas pelo chat, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube. Não sei se já tem alguma pergunta que tenha chegado pelo YouTube. Se não, eu poderia... Ah, Emily... Ah, sim, apareceu, tem a Sônia Gomes Pereira fez a seguinte pergunta. Verifico que o projeto Le Breton para o Brasil correspondia ao das províncias francesas. É um comentário mais do que, na verdade, uma pergunta. Adriana... Oui, je suis là. Bonjour. Se você quiser, você pode até inclusive abrir o chat e ver o que está escrito, se for mais fácil. Mas seria só traduzir esse comentário da Sônia. Bonjour, Emily. Je vérifie donc le commentaire. On me demande de vous le traduire. Ça va, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Je vois le premier commentaire. Je pense que là, je le comprends. Oui, d'accord. On voit que le projet Le Breton correspondait à celui des provinces françaises. C'est ça? Oui, c'est la question qui est posée. Alors, en même temps, comme Anna est là, en face de moi, par de l'écran, je crois que ce serait plutôt à elle, en réalité, de répondre. On en a discuté dans le cadre d'un colloque français. Donc, moi, j'aimerais plutôt passer la parole à Anna et puis je répondrai après. Bon, c'est vraiment son sujet à elle. Ela está passando a palavra para você, Ana, que ela diz que é o seu assunto e não dela, no caso. Na verdade, era mais um comentário, porque na verdade é uma afirmação de que o projeto Le Breton, justamente, ele procurava colocar as artes e ofícios, né, o primeiro projeto, e depois acabou sendo implementada a Academia de Belas Artes. Mas eu vou passar agora para uma pergunta de verdade, que a Marise colocou, a professora Marise Malta. Ela gostaria de saber se os artistas também atuavam em projetos de artes decorativas ou se eram corpos bem separados, né? Ou em corpos separados? Não, principalmente se os artistas das belas artes, eles também atuavam em projetos de artes decorativas. Bom, nós temos uma questão de Marise Malta, que voudrait savoir se si les artistes travaillent également sur des projets d'art décoratif.
Totalement, oui. C'est d'ailleurs une partie de ma présentation où j'expliquais que les artistes et les artisans qui sont formés au sein de cette académie interviennent directement dans les manufactures. Na parte da apresentação dela, ela fala assim disso, que realmente artistas e artesãos intervinham, trabalhavam diretamente com a manufatura. Et c'est ça la grande nouveauté de ces écoles en province, c'est qu'elles lient vraiment à la fois la formation artistique et l'application aux arts décoratifs. Então, essa é a grande novidade também dessas escolas no interior, que vinculam formação artística com formação mais voltada para artes decorativas. Adriana. Aplicação direta. Eu vou pedir diretamente para você traduzir para ela, vou falar aqui a pergunta para explicar um pouco melhor. É porque esses artistas formados nessas escolas de artes decorativas, se eles ficavam restritos à arte decorativa, ou se poderia haver um artista que faz quadros, esculturas e também. Mas tudo bem, se talvez seja melhor passar. Porque, entendeu? Porque eles eram artistas formados, mas para atuar exclusivamente com a arte decorativa, ou eles também poderiam estar produzindo quadros? Haveria um artista que produzia quadros, esculturas, e depois também desenhava para desenhos para louças, para os tecidos? Elle vous demande plus spécifiquement si ces artistes étaient restreints ou cantonnés, disons, aux arts décoratifs, ou si, par exemple, on pourrait avoir des artistes qui feraient tant des peintures et des sculptures et pourraient également travailler à une application sur les arts décoratifs, comme par exemple sur la vaisselle. Oui, alors là, il faut distinguer en réalité la question du modèle qui peut être proposé et réalisé par un artiste et sa réalisation elle-même sur l'objet décoratif. Bom, então é preciso distinguir aqui entre o modelo proposto, pelo artista e sua realização no modelo decorativo. Voilà. São duas coisas. Et donc, on a des exemples d'artistes qui réalisent des modèles qui sont ensuite repris par les manufactures. Nós temos exemplos de artistas, por exemplo, que fazem modelos que são depois retomados pelas manufaturas. Mais ceux qui dessinent directement, par exemple, sur une faïence ou une porcelaine, Mas aqui, pardon, oui. eux sont vraiment des artistes qui se consacrent au travail directement sur la porcelaine. Mas aqueles que desenham, por exemplo, sobre louça ou faiança, são aqueles que normalmente se dedicam exclusivamente a isso. Tá ótimo. Muito obrigada, Emily. Merci, Emily. Muito, Alberto Chilon, é muito interessante a conferência. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta. Então, pergunta do Alberto Chilon. Como os fabricantes... Como os Oui. fabricantes. Ah, você está lendo? Non, non, você quer que eu leia em francês para ela? Eu posso ler, eu vou ler em português para as pessoas que estão assistindo o YouTube. Como que os fabricantes de porcelana, os fundidores artísticos e metal transitavam nos ambientes acadêmicos? Se eram bem aceitos, se eram bem vistos? On vous demande, là, c'est une question posée par Alberto Chillon. Et il vous remercie de la conférence et il dit qu'il voudrait poser une question. C'est comment les fabricants de porcelaine et ceux qui faisaient de la fonte en métal artistique se mouvaient dans les environnements académiques. Quel était leur travail là-dedans ou comment vivaient-ils cette expérience? Alors, je peux donner des exemples pour des fabricants de porcelaine. Par contre, ce que vous appelez fundidores en métal. Ceux qui le travaillent le métal, oui, les Travaille le métal. orfèvres, peut-être, je ne Alors, sais pas, oui, alors en réalité, on a assez peu d'exemples pour ceux qui travaillent le métal. Ils sont généralement mentionnés dans les documents, mais on a très peu de noms et encore moins d'exemples vraiment développés là-dessus. Et après, je vais voir. Pardon, oui, allez-y, oui. Non, 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 allez-y, allez-y. Ela pode dar exemplos para artistas que trabalhavam com porcelana, sim,
mas para as pessoas que trabalhavam com o metal, realmente eles são mencionados em documentos, mas não há nomes e não há exemplos que possam ser compartilhados. Et donc pour parler des fabricants de faïence et de porcelaine, les liens qu'ils ont avec l'académie sont multiples. Bom, para os que trabalhavam com porcelana e faiança, realmente há muitas ligações ou vínculos com o mundo acadêmico. Tout d'abord, ils peuvent intégrer le milieu académique en tant que membre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils envoient leurs élèves se former au sein de l'académie. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des membres de cette académie, mais qui à l'origine sont plutôt des personnes de la haute société, qui expérimentent eux-mêmes la fabrication de la porcelaine. Bom, nós temos três aspectos aqui. Em primeiro lugar, esses artistas muitas vezes integravam o meio acadêmico como membros mesmo, né? Eles também mandavam seus alunos se formarem nesses meios acadêmicos. E há um terceiro aspecto de muitos membros da alta sociedade, membros da academia, sendo pessoas da alta sociedade que trabalhavam um pouco essa parte de porcelana também. C'est ce qu'on appelle des amateurs. Ce sont les amateurs, certains amateurs d'académie se passionnent, mais comme c'est le cas dans toute l'Europe de cette seconde moitié du XVIIIe siècle, pour la fabrication de la porcelaine et surtout trouver la recette qui permet de réaliser cette ces parois de porcelaine extrêmement fines. Nós, no caso, temos essas pessoas que ela estava mencionando, são considerados como amadores, né, os amateurs da academia, que eram verdadeiros apaixonados por esse trabalho na porcelana e principalmente para tentar encontrar a receita para a porcelana mais fina, né, ou extremamente delicada. Tá, muito obrigada, Emily. A professora Sônia, ela colocou mais um comentário, ficou encantada com a sua palestra, não tinha ideia dessa diferença tão grande das escolas nas províncias e em Paris. E ela só quer confirmar que o sistema do ensino do desenho seja exatamente o mesmo na academia em Paris e nessas escolas nas províncias. O ensino do desenho seria o mesmo, pelo que ela percebeu, é isso? Emily, il y a une question et un commentaire de Sonia Gomes Pereira qui a été enchantée par votre présentation et vous en remercie. Et elle commente qu'elle n'avait pas idée de cette différence entre les provinces et Paris. Cependant, elle demande si l'enseignement du dessin c'était bien le même entre les écoles et les académies de Paris et des provinces. C'était bien le même enseignement, n'est-ce pas? Alors, l'enseignement peut être le même entre l'Académie royale de Paris et des académies de province comme Marseille ou Toulouse, dans le sens où il y a un système d'enseignement progressif qui va, comme je l'ai expliqué, de l'apprentissage, apprendre à dessiner une main jusqu'au modèle vivant. La différence qu'il y a, et ça c'est une différence importante, c'est que dans les académies et les écoles de dessin de province, on prend des élèves, des commençants, des débutants, alors qu'à l'Académie royale, ce sont des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs confirmés. Donc on n'est pas sur le même système. Par contre, l'école de dessin de bachelier, elle, est plus proche de ce système-là. No caso, o ensino é o mesmo entre a Academia Real, né, a Academia Royale, e as academias de Toulouse e de Marseille.
no sentido de um ensino progressivo, que vai do ensino básico, de aprender a desenhar as partes, como uma mão, por exemplo, encaminhando-se até o desenho do modelo vivo. A diferença é que nas províncias, no interior, as escolas pegam iniciantes, os tais commençants, enquanto que na academia real só são já pessoas com mais formação, pessoas já tarimbadas. Temos a escola de Bachelier, no entanto, que tem esse modelo de pegar um ensino para iniciantes. La différence aussi qu'il faut avoir en tête, c'est entre des académies de province et des écoles de dessin. Parce que dans les académies, on peut dessiner d'après le modèle vivant, mais des petites écoles de dessin comme à Pau, par exemple, les élèves n'apprennent qu'à dessiner d'après un modèle gravé ou dessiné. Il n'y a pas de pause. Pas de ronde-bosse, donc, dans le cas de... ce ne serait pas la ronde-bosse, mais enfin, le modèle vivant, oui, ce serait un modèle en trois volumes, quoi. C'est-à-dire un modèle vivant, c'est une personne qui pose. Oui, c'est une personne qui fait, mais ce serait comme si c'était une statue en fait. Voilà. D'accord. Mais il peut apprendre à dessiner d'après la bosse. Ah bon, dans les écoles de dessin. On peut placer devant lui un buste et la bosse. Mais pas, il n'y a pas le. Et pas de modèle vivant. D'accord. A grande diferença reside que nas academias no interior, nas províncias, os alunos pouco a pouco progridem para o desenho com o modelo vivo, enquanto que nas escolas de desenho é sempre o modelo sobre a estampa, a gravura, podendo encaminhar-se para o modelo em três dimensões, né, o modelo de escultura, mas não tendo o modelo vivo em si. Não, Adriana, só que estava comentando que em português a gente usa muito a expressão moldagens em gesso. Sobre okay. Esses. A Flora Flor pergunta se nessas formações artísticas também havia o ensino de história da arte. Se essa formação artística incluía o ensino da história da arte. A Flora vous demande si dans cet enseignement on incluait l'histoire de l'art. Ah, c'est une bonne question. Boa pergunta. Alors, l'histoire de l'art comme discipline telle qu'on l'enseigne actuellement, non. Pour autant, il y a des conférences qui sont mises en place, qui sont organisées, où sont lus des textes qui proviennent notamment de l'Académie royale de Paris, et où aussi les différents amateurs, les différents peintres et sculpteurs de l'Académie rédigent des conférences, on appelle ça des conférences d'ailleurs, et donc ça peut être soit sur l'histoire de l'art, ce qu'on appelle l'histoire de l'art en général, sur certains grands artistes de la Renaissance ou des grands artistes français ou des grands artistes plus locaux. Donc il y a un véritable débat en tout cas qui anime ces institutions, qui reçoivent par ailleurs de nombreux ouvrages, des publications de toute l'Europe, souvent par le biais là aussi des amateurs, et qui donc viennent enrichir les bibliothèques et qui sont discutés dans des séances. Bom, basicamente, não história da arte tal como se ensina hoje. Contudo, havia organização de conferências onde se liam, eram lidos textos da Academia de Paris e onde também pintores, escultores, amadores redigiam conferências, já eram chamadas assim mesmo, conferências sobre história da arte, grandes artistas do Renascimento, da França, artistas locais, também sobre, ou seja, portanto, resumindo, havia sim um debate nessas instituições, acompanhado também de muitas publicações que eram doadas às bibliotecas por amadores ou por outras pessoas. Então, havia todo um debate intelectual em torno disso. Et donc, ça peut donner lieu à des publications, c'est-à-dire que certains discours sont édités pour être diffusés. Voilà, certains amateurs aussi écrivent des,
des réflexions sur la peinture, sur la sculpture, sur les modèles qu'il faut choisir, etc. Então, havia, portanto, realmente muitas publicações, discursos que eram redigidos e publicados para divulgação, amadores que escreviam também reflexões sobre pintura, escultura, escolha de modelos. Havia toda uma parte literária, então. Et la grande question qui anime toute la vie de ces académies tout au long du XVIIIe siècle, c'est la question du bon goût. Ça, c'est vraiment la notion centrale, c'est comment ces académies vont produire du bon goût, à la fois pour les amateurs qui ont les moyens de commander des œuvres d'art, mais aussi pour les artistes, pour qu'ils produisent des œuvres de qualité. Et donc ça fait partie des réflexions et des débats. Uma parte importante, uma questão candente no século XVIII, fazia parte dos debates da discussão, era a questão do bom gosto, le bon goût, tanto para os amadores que publicavam sobre isso e que se interessavam, como seria possível criar isto, quanto para os artistas na sua criação, o que que isso representaria. Bom, eu vou ter que, infelizmente, encerrar a nossa sessão, porque dentro de 5 minutos a gente vai começar uma nova sessão. Eu gostaria de dizer para a Emily que ainda há vários comentários aqui elogiosos e agradecimentos pela conferência dela. Depois a gente pode enviar as perguntas para a Emily e continuar de alguma forma esse debate. Muito obrigada e então aos que estão no YouTube, a gente vai encerrar agora e retornar.